Thierry Lomé also to take part in the match past. Corbe commando, ouais, les azon les hommes que au de gomme clope, pencoura si peta, ajoutant djeloule, que si à mes béa, lieutenant colonel Gomina, ici miou, elle est encore au et au pas en les azon, bientôt mien, on a yim de ka, et yamea, ou comme miel, novi gesson. Merci Gilbert, vous l'aurez remarqué, hein, sans doute. Certaine assurance donc, de ses forces commando, l'une des caractéristiques donc, de ses forces également, c'est la barbe. Enfin, le béret rouge, il y a la barbe. Tous ces hommes portent donc des barbes et qui les distinguent. Et puis, donc, cette cordelette autour du cou, mon commandant, dites-nous un peu à quoi ça sert, outre donc la couronne, béret rouge, la barbe, pour beaucoup. Cordelettes sur les terrains d'opération, à quoi ça peut servir? Merci Gerson. Les barbus que vous voyez au corps para symbolisent en quelque sorte l'aptitude à durer sur le terrain. Vous pouvez les voir avec leur hache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des éléments qui peuvent, ou moins qui vivent en France. Voilà. Donc ils ont une certaine aisance à vivre en France, à utiliser tous ces moyens qu'ils ont actuellement sur eux, les cordes, les raquettes, pour sur voilà. Donc c'est ça qu'on veut bien faire. Voilà, donc c'est parce que tout le temps donc des barbus. C'est une unité qui va au front et qui peut s'adapter à toutes les circonstances. Il s'adapte donc à toutes les circonstances et qui a une certaine aisance à rester sur le terrain en dehors de la modernisation. Nous apercevons le capitaine Bouti qui n'en soit à l'écran, qui défile derrière le lieutenant-colonel Gomina Yassinou, que nous avons aperçu tantôt. Voilà donc les sabres que vous les voyez avoir sur le côté, c'est des outils qu'on utilise lors de la survie en plus. Lorsqu'on est projeté, les moindres outils que le commando a pour sa survie.
font pratiquement les mêmes missions que toutes les autres unités qui l'ont précédé. Seulement la particularité, c'est d'abord des unités qui sont transportées par aéronefs, qui sont déposées. La preuve, nous avons vu des chuteurs tout de suite, qui sont issus de cette unité. D'accord ? Et donc, c'est d'abord la mise au sol à partir d'un aéronef en toute discrétion. Et donc, commence maintenant la phase combat au sol. Nous observons le lieutenant Kegewe, qui est un personnel féminin, officier dans cette unité d'élite des forces armées togolaises. En toute majesté. Exactement, tout à fait, en toute majesté. Et applaudi hein, ici dans la tribune annexe. Et avec un passage qui marque également, qui rappelle la devise donc, de ce corps, vaincre ou mourir. Une chanson qui démontre donc la hargne de gagner. Hormis les missions traditionnelles des forces armées togolaises, le régiment Parachutiste Commando assure des missions de formation également, des formations commando, des formations en parachutisme, non seulement au profit donc des unités sœurs au Togo ici, mais aussi au profit des contingents des pays amis. Je l'avais annoncé plus haut début, lorsque les unités, les chuteurs faisaient leur mise au sol. Absolument. C'est un régiment qui a une capacité de projection autonome. Anita, le passage. Le lieutenant Kegewe. Le lieutenant Kegewe. Son passage, c'est beaucoup, beaucoup d'envie, j'imagine. Beaucoup de jeunes filles qui sont en train de la regarder en ce moment donc à la maison sur la petite écran. Hier soir pour la petite histoire, elle m'a donné des envies tout à l'heure, mais bon. Laissons la place donc à la relève, justement, à nos, aux jeunes téléspectatrices qui nous suivent et qui seraient beaucoup plus jeunes, qui seraient donc tentées par. La carrière et la formation militaire. Voilà, avec ce tableau qui nous offre une image absolument incroyable. Et on voit mieux leur béret rouge. Voilà. Et si la régie peut revenir un peu, voilà, justement, donc, sur cette image que vous découvrez. Et là, on voit donc, disons, la distance, le dispositif millimétré au centimètre près, décimètre près. Qui nous offre un tableau assez incroyable, magnifique tout simplement. Et si nous parlons vraiment de parade, eh bien nous y sommes avec. Le passage donc de ces troupes, de ces unités. Avec toute leur artillerie. On est vraiment dans la parade. Serein, concentré. D'ailleurs, on vient même de noter des gants de boxe. Et qui donnent une autre allure à leur passage.